Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Debo elle est en train de faire la du brin comme d'hab. Donc je vais vous montrer. Donc là je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on a agrandi la fenêtre. Pourquoi? Mon père il veut absolument prévoir pour que si un jour je dois mettre un volet roulant, moi je veux pas en mettre parce que le prix des fenêtres avec des volets roulants, c'est hors de prix. Là, j'ai réussi à trouver des fenêtres quasiment neuves d'occasion. Je vous les montre. J'ai payé moins de 50 euros la fenêtre. Une fenêtre avec volet roulant électrique comme mon père veut que je mette, c'est quasiment 500 euros. Donc, comme je sais que j'en ai beaucoup à mettre et si je veux avancer dans mes travaux, je suis obligé de grappiller sur les économies, quoi. Je suis obligé d'économiser de l'argent par-ci par-là. Donc là on va prévoir que, parce que mon père il a peur qu'un jour ce soit obligatoire de mettre des volets roulants. Non, c'est pas obligatoire. Sur le site du gouvernement. Non, non. Le gouvernement, c'est plus pas obligatoire pour le gouvernement, mais pour les assurances, c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est comme les barreaux à la salle de bain que tu m'as fait mettre. Encore une fois. Bah dans ces cas-là, il n'y a aucune maison aux normes, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Bon bref, du coup, on est en train de se chamailler là-dessus depuis des mois. Parce que, en fait, moi mon but, c'est de louer en meublé. Si je loue en meublé, je suis obligé de mettre dans les chambres. Moi, je pensais que c'était toutes les fenêtres, mais c'est uniquement dans les chambres de mettre au minimum des rideaux occultants. Et ça, c'est sur le site du gouvernement. Donc, comme il me dit mon père, oui, si demain, ils pondent une loi... T'es dans la merde. Je pense que si demain ils pondent cette loi, bah déjà tous les appartements ne sont plus louables. Parce que la plupart des appartements ne sont pas équipés de volets roulants. Même de volets tout court. Donc déjà ce serait problématique. Donc c'est impossible qu'ils nous pondent une loi. Du moins, je pense que je serai déjà bien vieux le jour où ce sera obligatoire. Après ça, c'est une autre discussion. Donc là, on va mettre nos fenêtres. On va prévoir quand même pour un volet roulant. Donc on va prévoir l'espace qu'il faut. Et donc là, après, on va pouvoir attaquer les autres. Maintenant qu'on est sur une dalle bien propre et bien lisse, ça met 2 secondes à ramasser. Ça, c'est vraiment un bonheur à pas ramasser. T'as juste à... Ça glisse, ça coulisse, c'est magnifique. Du coup, on a agrandi parce que du coup, oui, forcément, la fenêtre n'était pas... Enfin, le trou de la fenêtre n'était pas assez grande. On avait juste ouvert pour gagner en lumière. Et puis après, bah, on aura de l'autre côté... Donc la porte va venir à peu près ici, et ici il y aura une deuxième fenêtre. Et en face, bon ben vous le savez déjà, il y aura une baie vitrée que j'ai pas encore achetée. Non, une porte-fenêtre, parce que baie vitrée c'est pas pareil. Chaque fois je me trompe. Du coup voilà, bon donc déjà on va essayer de voir pour préparer le coffrage, pour préparer le tableau. Parce qu'on va couler le tableau avant de mettre le linteau. C'est pour ça que là on a étayé de la sorte, c'est pour pouvoir bah, tout préparer. Aussi préparer l'appui de fenêtre, c'est ça? Ouais. Non, l'appui de fenêtre, je m'en fous. Tu t'en fous de l'appui de fenêtre? Après. Ça sera après. Bon, bah, il a dit qu'il s'en foutait, que ce sera après. Donc, on écoute le chef. Sauf pour les volets roulants. Ça je l'écoute pas. Bon, allez, on continue. Ça, ouais. Ça, j'avais compris ça, ouais. Putain. Non mais je vis sans biais, pourquoi ça éclate le bois? Encore ça? Après. Comme vous l'avez vu, on est en train de... en douille. On est en train de faire la fenêtre, là, le
le tableau. Donc on est en train de prendre toutes nos mesures et tout, tout régler. Et en fait, on va venir couler le ciment directement dedans. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Mais des bons, on te voit. Regardez, gros zoom sur sa face. Ah là, t'es deg, là, t'as vite bougé. Hein. Donc là, on va venir couler dedans parce que comme c'est des parpaings rouges, on veut vraiment que ça s'incorpore bien dedans. Donc on va le faire bien liquide pour dire qu'il va bien rentrer dans le mur vraiment partout et que ce soit vraiment nickel. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à venir déposer le linteau au-dessus. Alors, vous fiez pas la planche, elle sert juste à éviter que l'écartement ne bouge. Et quoi ? Mon père a dit, je suis d'équerre, mais je suis pas d'équerre. D'équerre sans être d'équerre. Je suis d'équerre, mais à 2x, c'est pas bon. Après, le problème, c'est que ça dépend à quoi tu te bases. Si tu te bases au mur qui est pas droit... Là, je suis bon, j'ai 5000, là. Ouais, bon, on va regarder... Je suis pris de poil par rapport à ta fenêtre. Ouais. Bon, on va regarder du coup là, c'est du réglage. Alors l'avantage de la rénovation, c'est que ça, vous pouvez faire vraiment plein de choses et tout. Faire, mais le gros souci, c'est que, vous voyez, là, on est en train de perdre un temps fou pour dire de faire ça, parce qu'après, il faut faire la pute fenêtre. Ensuite, après, il faut mettre le linteau, cimenter le linteau. Donc, on perd quand même pas mal de temps. C'est ce que je disais à mon père, la quatrième maison. Comme on va tout prévoir tout de suite. Ça va aller vraiment super vite. Bon allez, je vais regarder ce qui bloque là, parce que ça paraît bizarre quand même. Voilà, je suis en train de vivre une grande première. J'ai déjà cassé des vis à placo, d'ailleurs on va parler des vis à placo. On met des vis à placo de 55. Je vous déconseille de faire ça. Bon, là c'est juste pour le coffrage, mais normalement on doit mettre des vis à bois, mais j'en ai pas des assez grandes. Parce qu'on a mis des planches très très larges, regardez. C'est une toche là. Vous voyez, les planches, elles font quasiment 3 cm, je crois. Et si je mets... Parce que moi, j'ai que des vis de 40 à bois. Et elles vont pas rentrer assez. Donc, j'ai pris des vis de 55. Et regardez. Tout à l'heure, j'ai dit à mon père, ouais, c'est quand même chaud à casser. Je visse. Et la vis, elle est complètement en train de se tordre. Bon, là, je pense que si je revisse un coup, elle pète. Mais j'ai jamais vu ça. Elle se tord dans tous les sens. C'est un truc de fou. Du coup, on a ouvert la fenêtre ici, on a laissé l'ancien linteau. Vous avez vu, la fenêtre, elle est décalée vers là-bas. Donc là, on laisse le linteau pour dire de ne pas avoir besoin d'étayer, vu que lui, il est pris jusqu'à dans le mur. Enfin, il est pris jusqu'à... Ah, je sais pas si on va voir. En fait, il repart dedans, il est pris dans un poteau comme ça, qui est pris avec lui, et dans le plafond, et dans la semelle et tout. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça, on veut juste couler à droite. Parce qu'ici, on veut renforcer ici... On va juste refaire un beau plaquage propre. Donc là, on va mettre deux planches de niveau
et faire un plaquage, mais ici on coule, comme ça, ça va bien dans les trous. Ici c'est du parpaing, je sais pas si on l'a vu en vidéo quand Déborah l'a filmé, mais vous avez vu des parpaings, comment on en chie notre race pour les casser. C'est un truc de fou, on y va au la grosse masse au marteau piqueur, et on les a découpés, c'est ça le pire. Une fois que vous faites des parpaings avec des ciments, c'est d'une solidité incroyable, moi ça me choque, ça me choque. Bon, du coup on a agrandi la fenêtre, parce qu'on va couler aussi de chaque côté, parce que bah pareil, en fait nous c'est ça qui nous fait peur, c'est le fait que ce soit des parpaings rouges et que vous savez, il y a vraiment beaucoup d'alvéoles. Par contre, une fois que ça c'est rempli de ciment, je vous promets que c'est un mur en béton. Hein. Donc là, le but, c'est de couler assez liquide pour qu'il y ait le maximum de ciment qui coule dedans. Et vous voyez, en fait, on va faire ça. Vous voyez, là, on a fait un coffrage. On va couler dedans et en fait, le ciment, il va être liquide. Donc de lui-même, il va aller au chemin le plus court. Donc, vous voyez, à chaque fois, il va couler comme ça. Il va rentrer dans les trous. Rentrer. Donc c'est pour ça que le coffrage, il faut le faire le plus précis possible pour éviter qu'il dégueule de partout. Sachant qu'on a des murs, alors je vous laisse. Non mais sans problème, c'est pas grave, mais regardez la gueule des murs. On va dire qu'avant, ils se souciaient pas trop du détail. Donc nous, le but, ça va être de le rattraper, ça. Donc là, il y a du boulot. Par contre, c'est vrai que là, il y a du boulot. Mais bon, là-bas, on a réussi à faire quelque chose de propre, là aussi. Et là, on va réussir, vous allez voir, on a réussi à le faire. Sur la porte là-bas, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas ici. Par contre, là-bas, c'est une 140 parce qu'elle me paraît plus petite. C'est une 120. C'est une 120? Ah ouais, c'est pour ça que t'aimes pas. Toi, tu préfères 140. Mmh. C'est vrai que plus on fait rentrer luminosité, mieux c'est. Là, bon, on se rend peut-être pas compte là parce que c'est pas en blanc. Une 120, parce que ça fait que. Ouais, on va dire qu'elles sont pas adaptées à nos gabarits à nous. Mais dans le commun des mortels, normalement, 120 c'est bon. Non, c'est trop petit. Parce que 120, ça fait un peu de 50 de large. Ouais, c'est vrai que bon, faut passer de profil. 120 avec le body. Hein. Bah ouais. Ça fait 125 avec le body. Alors que là, ça fait quand même une sacrée porte, quoi. Non, ça va être top. Bon, nous, encore une fois, là, on peut pas voir que c'est très lumineux parce qu'encore une fois, le ciel, il est gris comme pas possible, donc il y a pas de soleil. Mais dès qu'il y a un petit peu de soleil, ouais, comme d'hab. Hein. Franchement, là, la pluie, on en a plein le cul. Dès que, de toute façon, vous l'avez vu hein, dans les vidéos. La joie que j'avais de travailler quand il y a eu les quelques jours de soleil. Là. Ce matin, il a fait 3 degrés. Alors qu'il y a quelques jours, il faisait 24. C'est un truc de fou. C'est même pas. Il a fait même moins de 2 degrés cette nuit. Parce que quand je me suis levé, j'ai regardé mon téléphone et il y a le truc de la météo. Il m'a affiché 2 degrés ressenti 1. Mais enfin, on n'est pas là pour parler météo. Du coup, là, on va continuer le coffrage. Pendant ce temps-là, Déborah. Je vous montre, hein, mais elle est partie chercher du sable et du ciment. Donc là, elle va préparer pour faire des bâtés parce qu'on va couler aujourd'hui. Comme ça, après, il restera plus qu'à venir glisser le linteau dessus. Et comme demain, mon frère, il a donné un coup de main parce que, semblant de rien, les linteaux, ils pèsent extrêmement lourd. Tu te souviens des beaux quand on les a portés? Ah ouais, là, quand on les avait... On les a déplacés d'un mètre. Hein. Non, on les a pas portés. Et moi, le monsieur m'a donné un coup de main après quoi. C'est vrai? Pour charger le ciment? Ouais. Bah ouais, parce qu'il était en dessous des racks. Ah ouais, d'accord. Du coup, il m'a rapproché. Et comme moi, je sais pas faire aller la remorque, il m'a encore rapproché. Enfin. Bon, allez. Après tout ça, il y aura encore une bonne partie qui va virer. Ça va être bien. Donc là, on essaye de faire ça parce que, semblant de rien, les courants d'air, c'est quand ils caillent comme ça. Franchement, oui, il y a même. Pourtant, mon père, il travaille dans un frigo. Quand je dis dans un frigo, dans un entrepôt frigorifique, alors, il est pas du tout frileux. Et ben là, il m'a dit, Vincent, je vais remettre un pull, je suis gelé. Parce que il fait froid et en plus de ça, ici, on est en plein courant d'air du coup. C'est un truc de fou. Pour ça, quand on va fermer, ça sera quand même mieux. Allez, c'est parti. Bon, donc là, on est en train de terminer le coffrage. Et mon père, il dit, mais attends. Il dit, mais pas tout de suite la dernière planche. Parce que là, vous avez vu, on l'a fait en deux fois. Nos planches, elles étaient pas assez grandes. Soit elles sont pas assez larges pour dire d'aller jusqu'en haut, soit elles sont pas assez grandes, enfin elles sont assez larges mais pas assez grandes pour faire en une seule fois. Bon, ça c'est pas grave. Là, on va venir après mettre un braquant. Mais en fait, mon père il dit là, pourquoi on s'embête, d'abord on coule là et ensuite on met le deuxième planche et on coule au-dessus. Comme ça, ça évite de tout faire depuis en haut. On aurait dû le faire avant de mettre celle-là. Bon, tant pis, là elle est bien réglée. Et si on enlève les vis, la planche s'écarte parce que. On a essayé de faire en sorte de rattraper un droit
pour éviter que, bah, vous savez que les planches elles font ça comme le mur était avant. Regardez, il y a même un endroit où on peut pas faire autrement. Regardez la planche comment elle ressort. Donc là, on pourra pas faire autrement, donc on va couler. Et une fois que j'aurai coulé, j'aiderai tout ébarder ce qui a dépassé. Je ne peux pas faire autrement. Et en haut, ça va être un petit peu plus compliqué aussi. Mais en soi, ça devrait le faire. La meuleuse, elle est juste là. Du coup, là, on va couper un bout de gouttière tout pourri. Et vous allez voir qu'avec ça, eh ben, on va pouvoir couler facilement, entre guillemets, là-dedans. Parce que c'est trop chiant à couler directement en haut. Et alors, il y en a, ils font avec un. J'ai vu avec un verre doseur et tout doucement, ils remplissent. Là, vous allez au seau et vous mettez le ciment assez liquide dedans et ça va venir couler dans le coffrage. Et normalement, si vous le faites assez liquide, que vous le tapez bien, que vous le vibrez, ça devrait être nickel. Je dis bien, ça devrait. Il se peut que quelquefois, il passe pas bien. Il y a un nœud. Bon, donc c'est bon, c'est coulé. Donc, comme vous voyez au bout de bois, on a. Donc, nous, on n'a pas de vibreur. En plus de ça, un vibreur, c'est quand même assez gros. On n'a pas la place. On utilise la technique du petit marteau piqueur là. Qu'on vient, vous savez, là, les petits trucs Makita. On met le burin plat et puis on vient faire vibrer pour dire que tout coule bien, bien. Regardez la vitesse que ça prend, par contre, c'est impressionnant. Donc, en plus de ça. Par les petits trucs comme ça, l'eau va ressortir du coup, ce qui fait que ben ça va prendre très très vite. Regardez, même là, ça durcit assez rapidement. En plus de ça, comme ce parpaing là, il est bien bien sec depuis des années et des années, et ben il va tirer le ciment. Ce qui fait que mon père m'a dit, ce soir, tu retires les coffrages et tu regardes où il y a des défauts pour les refaire tout de suite, pour dire que ça ne fasse qu'un. Donc là, je vais essayer de vous montrer vu qu'il y a encore les échelles. Donc là, vous voyez, là on attend que ça tire, c'est ce qu'on a fait en dernier. Et une fois que c'est tiré, on vient faire un truc tout beau, tout lisse. Et là, il n'y a plus qu'à venir déposer. Donc mon père a dit, tu mets un petit peu de colle à carrelage dessus. Et tu viens déposer le linteau pour dire qu'il soit aussi fixé par en dessous. Pour moi, c'est que du plus, hein, mais n'oubliez pas que lui, il fait des bunkers là-bas. Donc là, avec le restant de ciment, on va... comblé, donc vous savez, c'était un mur en parpaing parce qu'on avait refait cette partie là parce qu'il y avait une belle fissure qu'on voulait retirer. Donc là, on avait refait ce mur ici. Et puis bah là, avec le restant de ciment, on vient le claquer dans les trous et on met des bouts de parpaing pour dire que ça tire et que ça soit bah, que ça se fasse rapidement. Du coup, il restera plus que ici. En fait, pour l'instant, on laisse comme ça parce qu'ici, un énorme linteau à découper avec des grosses ferrailles comme ça. Et on en a déjà découpé et ils sont vraiment pas rigolos. Donc là, on va attendre que tout soit bien fait, bien tiré. Et ce linteau là, ben, on n'aura pas le choix que de le découper parce que ben, la fenêtre elle vient pile poil dedans. Et dans tous les cas, le linteau vient au-dessus, pile poil au-dessus de l'autre linteau. Donc là, en termes de solidité, je pense qu'on est au top. Par contre, je regarde papa, mais ici, si on fait un plaquage, le linteau, comment il ressort fort? Ébardé. Wow, parce que là c'est plus ébardé qu'il faut faire, regardez la différence. Bon, ouais, ça, j'ai pas rien. C'est un truc de fou, hein. C'est ton mur qui est droit. Ouais, ou le mur qui... bon, on verra bien, de toute façon on verra ce qu'on fera. Mais bon allez. Alors lui il pointe le bout de son nez que maintenant, d'ailleurs il est parti se cacher parce qu'il sait que je parle de lui là. Alors on passe de... on est congelé. Ah, on transpire dès qu'il tape, dès qu'il y a le soleil, il revient. C'est un truc de fou comment il tape. Pourtant, il fait pas chaud, il fait, je sais pas de degrés il fait, mais le temps dans le nord, c'est n'importe quoi. Alors, je sais qu'il y a plus que dans le nord. Avant, on rigolait du nord parce qu'on avait toujours un temps de merde. Mais avant, maintenant, c'est un peu partout. Bon, moi, je voulais attendre. Merde. Bon, moi, je voulais attendre ce soir, mais mon père m'a dit non, on peut déjà décoffrer. Donc là, c'est le premier endroit qu'on a fait. Bon, comme vous le voyez.
même si on a fait liquide, qu'on a vibré et tout, bah, au final, c'est pas parfait. Mon père m'a dit justement, t'attends pas que ça sèche, tu viens rebourrer tout de suite dedans pour dire que ça ne fasse qu'un. Vous voyez, il y a un petit trou ici, un petit trou là. Et après, il m'a dit, petit coup de taloche pour dire de lisser. Et le pire, c'est en haut, alors qu'en haut, normalement, c'est le plus simple à faire. Donc, j'ai peur que plus on descend, pire que c'est. Ça, on verra bien. Hein. Et regardez, c'est un truc de fou, c'est déjà dur, alors que ça a été fait il n'y a même pas une heure. Quoi. Vous voyez, hop, regardez, c'est nickel. Bon, on est dans le hangar vite fait, là, avec Débo. Et comme vous voyez, Déborah est en train de regarder dans une certaine direction. Pour les plus curieux d'entre vous, vous avez déjà dû voir certains petits détails de ce qui se passe derrière nous. Mais Caroline a encore fait des merveilles. Vous voyez, déjà, il y a ça qui est là. Et là, devant nous, il y a quelque chose. Alors, attendez, je vous montre. Alors là, j'adore. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je suis dézoomé au maximum. Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Mais elle m'a fait ce magnifique dessin avec un décor et tout. Alors, Caroline, je lui demande un personnage. Elle m'en fait 5 avec un décor et avec des couleurs et en rajoutant des trucs et tout. Avec des détails. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais elle m'a fait des petites étoiles, des constellations. Elle a écrit le nom des personnages tout discrètement. Voyez. Alors, c'est discret, hein. Mais regardez. Hop. Je vous montre de près. Mais c'est un truc de fou. Elle a pas écrit ici. Et. Regardez ça. Si un Lux, elle l'a écrit ici. Et Morgana ici. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Caroline, elle va. Sachez qu'elle regarde tous les commentaires. Donc, si vous voulez, encore une fois, dire quelque chose à Caroline, n'hésitez pas. Vous le mettez en commentaire. Et puis, elle se fera un plaisir de vous lire, voire même de vous répondre, pourquoi pas. Ça, après, ça dépend du temps qu'elle a avec ses cours et tout. Et avec toutes les conneries que je lui fais faire, forcément. Du coup, voilà. Bon, on repart à la partie travaux. C'était une petite aparté. Je sais que ça n'a rien à voir avec les travaux, mais je suis tellement fier de ce qu'elle fait. Enfin, c'est tellement fou. Regardez, enfin, moi, c'est un truc de dingue. Jamais de la vie, j'aurais pensé qu'elle m'aurait fait un truc pareil. J'avais un truc beaucoup plus simple dans ma tête. Et bon, après, ça fait plusieurs semaines qu'elle est dessus. Ça fait combien? 3 semaines maintenant? Oh, ça fait 3 semaines, là. 3 semaines qu'elle est dessus. Donc, je peux vous dire que là, il y a du travail. Bon, on change complètement de truc. Là, on est dans le terrain. Donc là, je vous montre Déborah. Elle est en train de chercher. Vous voyez, vous entendez peut-être le bip bip. Donc là, on a mis un laser au milieu du terrain. Et on a pris le laser. Donc, on a mis un petit repère ici. Donc, il y a 90 cm du sol. On s'en fout. Le but, c'est juste d'avoir les repères partout pareil. Donc j'ai mis les repères un petit peu partout et le but ça va être pour moi de mesurer à combien ils sont du sol pour savoir si je dois monter ou descendre mon terrain, savoir où etc. Donc là par exemple, si je regarde celui-ci, je suis à, alors attendez, hop, vous voyez, je suis à 60, on va dire à peu près à 77 du sol. Donc ici, je suis trop haut comparé à mon niveau. Donc là, il faut que je sois à 90 du sol. Là-bas, c'est ma base. Donc il faudrait que le terrain soit à 90 du sol, mais partout. Sauf que vous allez voir qu'en avançant, ça devient de plus en plus problématique. Vous voyez là, en hauteur, il y a un petit repère qui est déjà à 1m46 du sol. Donc on a déjà 56 cm de différence. Sauf que c'est pas le pire. 1m72. Je suis ici à 1m80 du sol. C'est-à-dire qu'entre le fond et ici, j'ai 1 mètre, quasiment un petit peu moins d'un mètre à remblayer. Mais du coup, j'ai 1 mètre de cailloux à venir remblayer pour que tout soit droit. C'est énorme, je vous le dis honnêtement, c'est énorme. Sachant que ici, je vais tout recreuser. Donc en vrai,
voyez, vous vous souvenez le nombre de remorques de gravats que j'ai été mettre à la déchetterie? On va faire le même pour le jardin. Non. J'en ai plus assez du coup. J'ai un mètre à remblayer. Un mètre à remblayer. Alors attention, faut savoir que vous voyez, entre le voisin et moi, c'est des trucs tout bizarres. Si je fais mes garages, ce que je fais, c'est que je fais un mur de parpaing tout le long. Comme ça, ça ferme, ça fait propre. Donc il y aura une fondation, donc je vais recreuser. Donc tout ce que je vais recreuser, je vais le couler en béton. Donc je vais avoir de la matière. Ensuite, les fondations des garages, ça va me permettre d'avoir énormément de matière. Ensuite, ici, je fais une terrasse qui va être plus basse que la maison. C'est-à-dire qu'elle sera semi-enterrée. Je trouve ça trop classe, je trouve ça trop stylé. Juste, il faut que je vois si je peux le faire par rapport à l'évacuation d'eau de pluie. Donc je pense que la terrasse de cette maison-là ira dans l'évacuation d'eau de pluie qui se situe juste derrière le mont de bois. En fait, ici, il y a que dalle en eau qui part. J'ai fait une évacuation, mais il n'y a jamais rien qui va dedans. Donc là, ce sera l'occasion. Quand je ferai la terrasse ici, j'aimerais faire une belle petite place de parking ici à la même hauteur pour dire de pouvoir y passer un tuyau. Et parce que regardez, la sortie de mon garage, je suis beaucoup plus bas que mon garage. Donc ici, je peux me permettre de faire une belle, belle dalle de béton. Là, ça va, je vais pas être embêté, quoi. Ça, c'est top. Et puis, il faut savoir que ici, je viens jusque là. Donc tout ça, ça appartiendra au garage, vu qu'il y a la porte. Et tout ça, à partir du début de la maison jusque là-bas, ça va être une terrasse. Donc il va être quand même une très très belle terrasse. Je crois que ça fait quasiment 50 mètres carrés. Bon, encore une fois, ça fait énormément de travail pour 4 malheureux petits bras. Mais bon, une fois que ce sera terminé, ça va être magnifique. Faut voir le côté positif. Voilà. Donc là, je vais mettre des repères un petit peu partout pour que mon frère il sache où est-ce qu'il doit aller, à peu près à combien il doit creuser pour essayer de venir m'aplanir le terrain. Alors, si tu parles de loin, des beaux. Si tu prends le niveau là, il va falloir qu'il creuse. Là, pour l'instant, il y a peu de choses près. Là, je vais regarder à peu près. Je vais regarder à combien on est. Avec le bip bip. Et puis, on regardera ce que ça dit. On mettra des repères et je lui dirai, bah, par exemple, là, tu dois creuser d'à peu près encore 15 cm, tu vois. Et ça, ça va être avec. Après, ce que je vais faire, c'est que. Sur mon bip bip. Ah oui, bah je pense. De toute façon, la mini paix, elle a déjà quand même pas mal d'heures. Hein. C'est même plus chi dessus, la peau. Elle a 114 heures. Oui. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est vrai que la mini paix, je peux vous dire qu'elle a déjà bien servi et qu'elle va servir encore énormément. Donc là, pareil, on est en fin de journée. Mon père, il est parti. On a refait une bricole sur la voiture de ma soeur. Donc là, on va continuer avec Déborah, essayer d'enlever un petit peu de... Parce que je ne sais pas si ça, on vous l'avait montré, mais on s'était amusé à continuer. Dites-vous que de base, d'ici, on ne voyait pas la terre. Là, avec la mini-pelle, je m'amuse à racler tout ça et je fais un mont. Comme ça, tout ça, ça va être à balancer à la verdure. Et puis regardez, on commence à voir le fond de mon terrain. Donc là, je suis vraiment pas loin du fond. Hein. C'est... À partir des grands arbres, là, c'est plus mon terrain. Et là, on est à la limite entre moi et chez le voisin. Donc là, il reste plus grand chose. Je pense qu'à vue d'œil, il doit rester peut-être 8 mètres. Et là, je vois qu'il y a encore un gros tronc à virer et tout. Mais tout doucement, ça commence à se faire et c'est propre. C'est un beau petit terrain. Et dites-vous que tout ça, après, il faudra couler béton. Oh lolo. De quoi ça va jamais? T'es trop. Attends, je vais venir voir. Ah oui, non, mais t'as pas le compas dans l'œil. Hein. Donc là, tu vois, par exemple, mets un repère. Attends, j'ai pas le... Attends. Mets le repère. On va mesurer. Et puis, par exemple, si t'as 70, vas-y, mets-le. C'est à peu près, hein, on n'est pas à 1 cm. Hein. Donc là, tu le mets. Avec des gants, tu risques de te galérer. Mais non. Donc là, mon repère, il est à 70. Donc par exemple, ici, je suis 20 cm trop haut. Donc ici, mon frère va devoir creuser de 20 cm. Ah,
Et je dis mon frère parce que demain il a donné un coup de main et mais je sais que par la suite ça va être même à moi de le faire. Il y a du taf mais tout doucement ça avance et ça fait du bien. En plus de ça, l'inconvénient c'est que quand je vais, on va essayer d'en mettre un beaucoup plus loin. On verra ce que ça dit. Par exemple ici, vas-y mets-en un comme ça, à peu près. Assez écarté parce que là je vais aller avec la mini pelle après. Vas-y mets-le là, enfonce-le comme ça la main, on s'en fout. Attends. Vas-y, tu peux baisser, je pense. Baisse. Ça craint. Oulo. J'ai mis mon doigt. Oh là là, 46. Donc tu vois, ici je suis. Bah ça va, si je suis 46 cm trop haut. Ça veut dire que je vais avoir de la terre et que je vais pouvoir remblayer. Donc en vrai, c'est pas déconnant. Moi qui pensais que le terrain il était en pente vers le bas, bah, il continue de monter. Donc c'est bien que si j'ai assez de terre, c'est pas bien si j'ai trop de terre parce qu'après il faudra évacuer. Mais bon allez, on va essayer de faire un petit peu, on va jouer un petit peu avec la mini pelle. C'est parti. allez. Mets-le en plein milieu, on s'en fout. Faut le couper. Et encore un. Bon, il commence à se faire tard, je pense que vous voyez. Donc là, regardez, j'en ai encore sorti un. Hein. Alors, là on a bien avancé, regardez encore une fois. Je vais essayer de dézoomer. Toute la partie que vous voyez qui n'est pas couleur claire, c'est là où j'ai retiré le tronc. Donc là, tout ça là, tout ce que vous voyez, donc j'ai retiré, bon il y a des plaques, il y a vraiment de tout. Ça c'est la taille des racines. Avec la mini pelle, j'arrache absolument tout. C'est un truc de malade. Elle est vraiment impressionnante au niveau de la force. Qu'elle a. J'ai même pas sorti une hache ou quoi. La tronçonneuse, j'ai sorti, c'est pour ça. Comme vous voyez, là, j'ai pas coupé les racines à la tronçonneuse. J'ai pris, je les ai déchiquetées avec la force du godet. Je vous dis, c'est vraiment impressionnant. Alors, je vais pas dire qu'elle est aussi puissante que la grosse que j'avais fait venir, que le monsieur qui était super sympa, qui avait fait mon terrain. Je vais pas dire que c'est aussi puissant qu'une 2 tonnes 7, mais alors, bordel de merde, je suis vraiment content de l'avoir parce qu'elle fait un taf de fou. Bon, comme vous voyez, à chaque fois que j'ai de la verdure ou des trucs de merde, je mets ici. Ça m'arrangerait bien de faire un grand barbecue dans la baignoire, mais bon, comme vous le savez, ici, là, dans cette maison, il y a les problèmes. J'en ai marre de payer les PV. Donc, on ira les mettre à la déchetterie une fois que je me redonnerai l'accès. Mais du coup, j'avance, je me bloque. Du coup, ça fait un petit peu chier. Mais bon, encore une fois, je sais pas si on se rend compte. Hein. Et le pire, c'est que je dis à des bros, je fais bordel. Je pensais que j'avais bien avancé, mais je suis encore loin d'arriver. Alors, je vais aller là-bas. J'essaye de vous montrer en même temps. Là, j'ai dézoomé au maximum. Mais là, j'ai encore... vous voyez, je dois encore aller jusqu'au gros arbre là-bas. Ça, c'est mon terrain. Sachant que j'ai fait que là, j'ai encore tout ça à faire. Ouais, et encore... je pense qu'il y a encore à peu près... Alors, si vraiment le portail est... Enfin, comment ça s'appelle ? Pas un portail, le grillage ou la clôture. Et vraiment, au niveau de l'arbre, j'ai encore à peu près un bon 6 mètres à faire pour arriver au bout. Bon, dans tous les cas, il y a du taf. Donc, je pense que le temps que mon frère terrasse, moi, je vais être ici à essayer de ramasser tous ces trucs de bois là qui sont vraiment trop chiants. C'est toute de la ronce, des racines, des bouts de bois qu'on avait découpés, parce que nous on a stocké le plus gros. Là j'ai mis une annonce, il faut que tout le bois il dégage. Au final on l'a gardé, c'est top, hein. On a gardé ça pour au cas où,
plus tard je m'achetais une maison et que je mettais un bon brûle tout. Le problème, c'est que ça me prend une place monumentale. Et au final, je ne peux pas continuer. Tout ça, là, je le mets où? J'ai tout le long du mur du voisin. J'ai dû arrêter parce que je suis appuyé sur son grillage et il commence à tomber. Là-bas, c'est plein. Là, j'ai encore tous les troncs là. J'ai encore tous les troncs qui sont là. J'ai encore tout ce qui va être découpé des souches. Et j'ai encore pas mal d'arbres. Parce que là, semblant de rien, j'ai encore un arbre là-bas. J'ai encore deux arbres là. Un là, deux là. Bon, ça, c'est l'arbre de gnognotte. On s'en fout un petit peu. Mais j'ai pas encore vu. Mais peut-être qu'il y a encore des arbres là-dedans. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc là, je sais que mon père, il va râler parce qu'il va dire oui. Et puis le jour où tu auras besoin de bois, tu vas en acheter. Ben, c'est la vie. Là, je préfère m'en débarrasser depuis le début. J'ai dit, quand j'ai eu le terrain, il y a un monsieur qui avait proposé, je viens faire gratuitement tes arbres, mais en échange, je prends le bois. J'aurais dû accepter. Quand je vois le nombre d'heures que j'ai passé dans ce terrain pour essayer d'économiser quoi, je sais pas, peut-être en ster, même si, allez, même 40 ou 50 ster, et ben au final, ça, je pense pas que ça valait le coup, parce que au final, là, je vais revendre ça à 20 balles de ster. J'ai même dit aux gens, s'ils viennent tout prendre, je largue à 10 euros pour dire que ça me prenne plus de place, parce que je ne sais plus où le mettre. Je ne sais plus où le mettre, là, je commence à être bloqué dans un terrain de 600 mètres carrés, c'est quand même fou. Mais enfin, bon allez, on se retrouve demain, moi je vais finir de débarrasser ça et puis il est temps de rentrer un petit peu parce que là il est passé 20h et il commence à faire faim comme on dit.